Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo dans le cadre de l'E3 2015. Cette fois, on est là pour discuter de la conférence de presse, de la longue et grosse conférence de presse de Microsoft, donc la division Xbox. Et pour en parler, Steve et René, bonjour messieurs. Salut. Hello. Conférence de presse de Microsoft, c'est toujours important parce que c'est peut-être les... Pas peut-être, c'est... Ce sont les trois grands. Hein. Il y a un trio avec Nintendo et Sony. Donc, les fabricants de consoles, on est toujours plus attentif à ce que ces gens-là vont annoncer parce que c'est souvent l'occasion de pointer des exclusivités ou de mettre en relief des trucs intéressants propres à leur console. Et c'était le cas. On a eu de l'information. D'abord, je vois la même question que pour la conférence de presse de Bethesda qu'on a commenté ensemble. Je fais un tour de table. Comment vous l'avez trouvé, cette conférence? Ben, je trouve que ça a roulé en tabarnouche. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu. C'était bien dirigé, bien drivé. T'sais, on parlait un peu hier en se disant, est-ce qu'une conférence enregistrée d'avance, c'est le fun parce que ça permet de bien dire, bon, ben, moi, ma conférence, ça va aller comme ça, puis ça va être ça, puis on peut contrôler l'événement, puis comment ça va marcher. Mais cela était tellement bien, c'était en direct, puis c'était toc, toc, toc. Cela, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça roulait, puis il y avait du stock, ça a été mené en tabarouette. Sur des chapeaux de roue. C'est vrai que ça roulait. René? Phil Spencer disait qu'il y avait 90 minutes, ce serait pas assez pour présenter tout ce qu'il y avait, puis c'était le cas. Il y avait tellement de stock, ça a tellement été... Pas garoché parce que c'était bien amené, mais ça a tellement été rempli que t'avais comme pas deux secondes pour respirer, t'avais quelque chose. T'étais comme sur le wall de l'autre jeu, t'en avais un long qui arrivait. Fait que non, ça a été bien. C'est drôle parce qu'habituellement, dans ces conférences-là, il y a toujours comme un temps mort. Un bon 15 à 20 minutes où on se regarde tous puis on se dit voyons, là, il me semble que je m'en serais passé. On l'a pas eu. Moi, je m'attendais à un gros... peut-être ID at Xbox. Oui, mais même alors. Mais c'est intéressant quand même. Des développeurs indépendants. Donc, attaquons immédiatement certains points de la conférence. Naturellement, on va pas commenter les 90 minutes. Là. Sinon, faites play et écoutez-la. dans le fond, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de cette conférence-là? D'emblée, moi, je vais attaquer avec la manette Elite. Donc, le contrôleur Elite. Qui avait fait l'objet de toute façon d'une annonce, d'une fuite dans un premier temps, puis d'une annonce du moins presque officielle par la suite. Donc, on l'a vu. Moi, ce qui m'a bien surpris de cette manette-là, Xbox One, c'est que c'est beaucoup plus que le petit connecteur pour écouteurs qui est changé. Là. On parle d'une manette avec d'autres, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, sous la manette, c'est d'autres boutons, d'autres triggers. Qui pourront servir pour des shifters, des gâchettes dans le fond, en dessous, qui pourront servir pour des jeux de course, pour d'autres types de jeux. Ou si je retiens la gradation ajustable, hein, si j'ai bien vu, on va être capable de doser la manette pour qu'on puisse profiter d'une radeur ou d'une qui va s'adapter à notre capacité de joueur. Et la croix directionnelle, je ne me trompe pas, qui change pour un rond ou quoi de même. Oui, c'est vrai, on peut enlever certains boutons, certaines configs de boutons sur le dessus de la manette, ce qui est assez exceptionnel. On n'a jamais vu ça avant pour une manette directement d'une compagnie. Oui, ça m'a étonné un peu, ça m'a fait penser à la manette, la Steam Machine, là, qui s'en vient avec des ronds. C'est comme pour dire, regarde, oui, vous allez triper avec la manette de la Steam Machine, mais nous autres ici, on a un petit rond aussi dessus pour faire fancy. Fait que tu sais, on va voir comment que ça va marcher. Es-tu disponible bientôt, ce manette-là? J'ai pas remarqué, aucun commentaire, beaucoup à ce niveau-là, du moins pendant la présentation. On n'a pas rien dit, on n'a pas mentionné si individuel, elle vaut quoi exactement. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi ce flou-là. Probablement que c'est une info dès demain ou dès une ouverture de 3. Parce qu'il faut comprendre qu'on est toujours dans ce qu'on appelle le pré-E3. Donc, ça commence officiellement mardi. C'est certain que cette étape-là... Je pense qu'on sème des graines, puis on va en parler. Mais messieurs, je voulais vous annoncer que j'aurai en conversation Jeff Rivet de Xbox Canada, qui va nous contacter par téléphone de Los Angeles. Donc, je vais certainement me permettre de éclaircir certains points comme ça. Donc, en audio, mais quand même, on va pouvoir présenter des extraits de cette conversation-là. Alors, qu'est-ce qui... je peux faire un tour de table? On va y aller en vrac parce qu'il n'y a pas d'ordre précis. Là. Donc, qu'est-ce qui vous a frappé de cette conférence en termes d'annonces et de jeux? Moi, c'est sûr que le Halo 5, avec les visuels, tout ce qu'on a vu, était très beau avec le mode multijoueur, les particules, les explosions, ils nous font penser un peu à...
un Call of Duty, là, mais c'était, ça pétait de partout, ça explosait de partout. Il y a lui qui va être marqué, puis si je ne me trompe pas, il a annoncé la date de sortie, fait que finalement, on va pouvoir jouer à Halo. Il y a toujours, tu sais, quand on a un blockbuster comme Halo, on a toujours un doute. Est-ce qu'il va vraiment sortir cette année? Ouais, jusqu'à ouais. ce que la date soit clairement énoncée. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, on l'a pas sous la main là. Ouais. Je pense que c'est le 27 octobre de mémoire, mais. Ouais. Checké sur Game Focus. C'est ça, c'est indiqué sur Game Focus. Ouais. Donc, on va l'avoir fin octobre, début novembre dans ces eaux-là. Mais de toute façon, la date n'est pas si importante que ça. Ce qu'on voulait être certain, c'est qu'il soit confirmé pour l'automne prochain, ce qui a été fait. Juste un petit mot comme ça, souvent on dit que Destiny partage beaucoup avec Halo dans le sens que bon, Bungie qui était l'ancien créateur, puis bon, puis on avait hâte de pouvoir comparer. Plus on voit des trucs sur Halo, on se rend compte que graphiquement c'est la claque là. Ouais. Une bonne claque avec les autres jeux du même genre là. Moi j'ai été très rassuré, même si on avait vu des bêtas puis tout ça. Là, on a vu du gameplay coopératif. Là. J'ai aimé ce que j'ai vu. Beaucoup. Ouais. Steve, de ton côté, est-ce qu'il y a un jeu que... Ben, il y a plein d'affaires. Là. Mais j'étais content de voir Gears 4 officiellement annoncé. Je l'attendais. J'ai été surpris. Je m'attendais à un Gears of War 4, simplement. T'sais. Mais un bon vieux Gears 4. C'est le fun. Même le gars, quand il l'a présenté, il a comme parti pour dire le of War, on dirait. Mm-hmm. Il a dit le Gears 4. Yeah. Je trouvais ça beau. Les animations super belles. Le rendu visuel, vraiment impressionnant. Là, vraiment beau jeu. Ils n'ont pas précisé où ça se situait dans l'histoire. On dirait que la ville, à voir comment qu'elle est maganée, puis les bébites, puis l'environnement, puis l'espèce de truc dégueulasse, là, vivant, qui pousse ses murs. J'ai l'impression que c'est bien, bien loin après le troisième. On dirait qu'on fait un peu comme si Gears of War Judgment n'avait pas existé. Ou dans le fond, oui, parce que c'était comme une histoire un peu parallèle. C'était un spin-off de Gears of War. Puis les personnages, ben, ils n'ont pas précisé c'était qui non plus. J'aurais bien aimé ça retrouver un Marcus Fenix vieux. Je ne sais pas si on va l'avoir ramené. Oui, ça va être un bonhomme jouable. Je ne sais pas trop quoi. Gears, si. Ouais, mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment beau. C'est le fun. Tu vois qu'ils commencent à bien maîtriser le console. Puis tout absolument. Ça, là, c'est vraiment, vraiment beau. Ça s'annonce vraiment bien. Ouais. Tomb Raider, moi, j'ai été un peu déçu. C'est-à-dire, pas déçu parce qu'ils nous ont montré, c'était super beau, mais c'est qu'on l'avait vu. Moi, j'aurais aimé voir quelque chose de nouveau sur Rise of the Tomb Raider. J'aurais aimé ça qu'on nous montre, parce que les séquences dans la montagne, c'est vrai, on s'en parlait pendant qu'on écoutait la conférence, là, c'est capoté bien raide, là, avec le tremblement de terre, puis tout pète, puis tout ça. L'ambiance, ça doit être tellement trippant, immersif. Là. C'est ça, mais moi, je l'avais vu, ça. Donc, j'étais comme, OK, j'aurais juste voulu voir autre chose, mais en même temps, je veux pas trop en voir, parce que quand je vais le jouer, je veux pas avoir l'impression qu'on a tout vu les séquences explosives d'un jeu. Fait que ce projet-là, assurément, ça s'annonce comme génial, là. Mais tu sais, ils n'ont pas spécifié si c'était officiellement juste Xbox. Non, il n'y a pas eu ce... Donc, est-ce que ça va tomber comme une mouche, cet exclu-là? Oui, ça va. Oui. D'ici l'année prochaine. Oui, ça va être... Non, c'est pour les fêtes. Je voulais juste vous dire aussi, moi, ce que j'ai aimé de cette bande-annonce-là de Tomb Raider, c'est qu'on voit à un moment donné, en vrai, qu'à la fin, quelques images, on voit Lara Croft qui tombe dans l'eau, on voit qu'elle nage, puis on voit de l'exploration dans des grottes. Pour moi, ce que ça me dit comme amateur de la franchise, c'est un beau clin d'œil au premier, là, Tomb Raider 1 et 2, là, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'exploration dans des grottes, puis des cavernes. Dans l'eau. Dans l'eau, tout ça. Parce que là, on n'a pas nagé beaucoup là, dans le dernier, dans le reboot, pratiquement pas, là. Donc, j'ai hâte, vraiment hâte à ce jeu-là. Parce que si je pouvais reprocher de quoi, juste bien rapidement, juste pour dire, sur le premier Tomb Raider, c'était qu'il y avait trop de shoot. À la fin, là, ça tirait trop. Là. Fait que s'il y a plus d'exploration dans cela, plus de grimpage, plus de puzzles, moi, amène ça. Ouais, effectivement, tout à fait. Vas-y. Parce que je disais qu'il y a une autre nouvelle qui avait, c'était pas Tomb Raider, là, une autre nouvelle de Microsoft. Annoncé, c'est une petite nouvelle qui sert à pas grand-chose, hein, la rétro-compatibilité. Ça sert pas grand-chose. Mais sérieusement, il y a ça qui est venu marquer. Fallait pas oublier d'en parler aujourd'hui. Non, c'est ça. René, moi, la rétro, ça m'a ébranlé complètement. Ouais. Je l'ai jamais vu venir. Non. Ouais. Ça a resté secret. Ils ont réussi à garder ça. On aurait pu avoir la puce à l'oreille, les gars, parce qu'à quelque part, il y a 6 mois, ils ont dit non, c'est pas mort, l'histoire de la rétro. C'est pas mort, mais c'est pas mort. Pas mort, mais là, on arrive avec, mettons, ça joint un peu la collection Rare avec tous les jeux qui amènent téléchargeables. Mais ce qui est le fun de la rétrocompatibilité, c'est que j'ai bien compris, une centaine de jeux, mettons, d'ici Noël, c'est tous des jeux téléchargeables. Puis si tu possèdes le jeu déjà chez toi, mais t'as pas besoin de repayer pour. Fait que juste ça, c'est déjà le fun. Un paquet de jeux ici qu'il y en a, des joueurs comme moi qui ont gardé, tu fais comme, hey, je vais pas les jouer sur Xbox One. OK, ça sera pas tous les jeux, mais
quand même un bon nombre. Fait que ça risque d'être très intéressant. Mais là, oui, vas-y, Steve. Non, ce que je voulais juste dire, dans le fond, sais-tu, c'est moi qui étais épais, là, je n'ai pas catché, mais je peux-tu mettre mon CD de Battlefield 3 je le mettre content dedans? Je suis content que tu poses la question, parce que je m'en allais là. Okay. Je trouve qu'il y a encore une zone grise. J'aurais aimé qu'on m'explique clairement. Ben, ils ont dit. Oui, vas-y. Ah, vas-y. Ben, ils disaient que si vous aviez le disque ou si vous aviez la version téléchargeable dans console, mettons, tu as acheté, je ne sais pas moi, un jeu sur le Xbox Store dans ta vieille Xbox 360, donc, mais la chaîne va le savoir qui est là. Si mais je te paraphrase, si on détient les droits numériques d'utilisation d'un jeu, parce qu'on l'avait acheté, mais on n'a pas rejoué, mettons, ça va marcher, ça c'est clair. Ça, je peux le comprendre. Si tu le dis, mais je ne sais pas si tu le rentres. Ça, c'est pas clair si tu le rentres. D'après moi, tu le rentres. Ou s'il va dire, ah, tu as déjà joué, mettons, à. Il y avait Rainbow Six Vegas. Ben, probablement qu'il faut qu'il soit dans le lecteur pour l'empreinte, la signature. Ouais. Ça doit être un peu comme sur PS4 quand tu joues un jeu PS3 des fois, ou quand ils faisaient l'upgrade, mettons, Call of Duty PS3 à PS4, il fallait que tu mettes le disque dedans pour qu'ils sachent qu'il était là. Pour moi, ça va être le même principe, mais ça a été flou. Moi, je vais vous dire, je suis content de cette nouvelle-là parce que toutes mes consoles sont installées encore. Hein, PS3, 360, blablabla. Ça fait dans un système audio, là, ça prend de la place. Ouais. C'était ma volonté, pas des ventes nécessairement. Je vais les garder mon côté un peu classique, ça reste là. Mais tu sais, ça leur a fait mon affaire d'avoir la Xbox One, la PS4 puis la Wii U d'installer. Ouais. Déjà là que la Wii U lit les jeux Wii, ça fait mon affaire et je m'en sers avec les enfants de jeux Wii que j'exécute sur la Wii U. Ça me gossait de ne pas pouvoir faire ça avec les deux autres. Ben là, ça va être réglé. Parce que moi, le truc là, sur la PS3 avec le PlayStation Now, c'est ça, ça ne me convainc pas. Ça ne fonctionne pas comme la promesse n'est pas là. Mais ça, j'ai hâte. Je ne peux pas attendre de l'essayer puis de voir aussi toute la fonction de Game DVR, René. Hein, ça va marcher, ça. Ouais, tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est faisable sur un jeu Xbox One va être faisable là-dessus. Fait que c'est le fun. Donc, c'est vraiment gros. Donc, Steve pourrait enregistrer une game, puis on va la commenter, puis on va la voir à partir de son dashboard, puis tout ça. Donc, ça, c'est drôlement intéressant. Puis, c'est quoi le truc avec aussi EA Access, faut pas oublier? Ouais, il y avait EA Access qui avait. C'est qui a couvert ça. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, dans le fond, quand vous écoutez la conférence de presse, à partir d'aujourd'hui, puis ça, je pense, une semaine, vous avez accès à tout ce qui est jeu EA Access. Fait que dans le fond, vous téléchargez un petit onglet dans Xbox One, EA Access, téléchargez ça, mettez ça dans la console, puis vous avez accès à. OK, il faut télécharger les jeux, fait que préparez-vous de la bande passante. Et un disque dur USB. Ouais, un bon disque dur, parce que ça se remplit vite, mais vous allez pouvoir télécharger tous les jeux qui sont dans vos, dans le coffre, si on veut, puis jouer là à l'attendait pendant une semaine. Fait que c'est le fun pour. Je sais pas, vous n'avez pas joué à NHL, vous allez jouer à ça, ben go. Il est là, puis ils ont annoncé aussi, je ne me trompe pas, que Titanfall allait être disponible en juin, je ne me trompe pas. Ben, en tout cas, ce mois-ci. Et d'ici l'automne, il va y avoir Dragon Age Inquisition, qui est très. C'est gros quand même comme jeu pour 5$ par mois. Ça vaut la peine, disons, le EA Access. Et ils ont insisté sur le fait que le EA Access demeurait exclusif à la Xbox. Ça, je suis quand même surpris de ça. Vraiment, je vais être honnête avec vous autres. Les gars, je m'attendais que Sony annonce pendant sa conférence. Puis je peux pas croire qu'ils le feront pas. Peut-être qu'ils vont le faire avec une autre compagnie. Il va se passer de quoi? Un Activision... PlayStation Now. Non, je m'attends à quelque chose de gros. Que ce soit Ubisoft ou Activision, mais un des trois gros éditeurs va se commettre avec Sony pour faire le même genre de truc. Parce que on peut reprocher plein d'affaires à Electronic Arts, là, mais EA Access, là, ça marche. Ouais, c'est un des bons. C'est un des bons services qu'ils ont fait. Le but, comme ils ont dit, c'était, comment est-ce qu'ils disaient ça? Donc, payer moins, avoir plus, payer moins. Manque un, play more, play less, puis... Joue plus, en a fait quoi? Play more, le truc de Il en manque un. Non, mais ils ont tenu leur promesse, parce qu'on dirait qu'on est toujours en train de les regarder en se disant... tu m'offres un jeu, ça peut pas être totalement gratuit. C'est ça, tu dis que tu payes ton 5$ par mois. C'est 50$ par année, peut-être. C'est le prix d'un jeu par année. Ouais. Ben, moi, moins à cette heure, pour qu'ils sont rendus les jeux, mais 60$ par année, mais t'es là, à toi, tu peux y jouer. Oui, ok, t'attends un peu, mais gars, Dragon Age fait quoi, 5 mois qui est sorti, 3 mois. Tu vas le vendre tout de suite, puis tu prends ton EA Access. Les jeux de sport, mais c'est pas sorti. C'est comme le fun. Madden est arrivé peut-être un mois maximum après. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a du jour de jeu d'avance sur certains titres. Fait que c'est quand même intéressant aussi. Messieurs, le temps file. Faut qu'on parle un peu de Minecraft et le HoloLens. Le casque HoloLens, moi, je croyais qu'on n'allait pas en parler beaucoup parce qu'on allait laisser toute la place à Oculus. On sait qu'une semaine avant l'E3, on avait annoncé que via un PC sous Windows 10,
que nous allions pouvoir streamer, donc utiliser le casque, brancher dans un PC, jouer à des jeux Xbox One. Tout ça me semble un peu compliqué, là. J'ai hâte de voir ça en action ou d'en entendre parler, là. Mais je suis content. Ça, on l'a tassé. On n'en a pas fait un plat. On n'en a pas parlé beaucoup. Par contre, l'HoloLens, Steve, t'es un jeune à la maison. Tu disais à plusieurs reprises, je peux pas attendre d'y montrer ça. Ah, il va capoter, là. T'sais, puis en plus, c'est plus facile, je trouve, à présenter comme ça d'une conférence, un truc d'HoloLens. T'sais, avec la caméra à côté qui montrait ce que le gars voit à travers ses lunettes, je trouvais que c'était bien pensé comme ça. L'Oculus Rift, je sais pas trop comment il aurait pu le présenter ou donner l'impression aux gens, vraiment, regarde, quand t'as le casque, tu vois autour de toi, c'est ça que tu vois. Il me semble que ça aurait été dur à vendre. Ça aurait eu juste l'air d'une cinématique. Tandis que là, on voyait vraiment la ville construite, sa table, puis tout. Puis là, il approchait, on voyait en dedans ce qui se passait. Hey, mon gars va capoter, c'est sûr, sûr. Lui, il est vendu Minecraft, il triple là-dessus. Puis là, d'arriver comme ça avec ses lunettes, puis de voir ce qu'il a construit sur une table dans le salon. Puis c'est une combinaison, capoté, Steve, de voix et de mouvement, là. On voyait que la personne pouvait bouger des petits blocs, des trucs, mais donnait des consignes vocales. Donc, on peut penser que ce soit Kinect ou autre, là, ou s'il y a un micro après le HoloLens. Donc, évidemment, pas de date, pas rien. On nous a promis quelque chose, quelques annonces liées à ça pour l'anniversaire de Minecraft au courant de l'été. En juillet. Et il ne faut pas oublier aussi la Gamescom qui s'en vient à la fin de l'été aussi. Je m'attends, on est en droit de s'attendre à plein de grosses annonces parce que René, il y a plein de jeux qui n'ont pas été parlés à cette conférence de Microsoft. Fait que ces jeux-là, pas le choix, on s'en attend. Bon, c'est ça, c'est clair qu'ils vont nous parler probablement de HoloLens un peu plus, des détails, des dates ou des prix. Ils vont nous parler à Gamescom de probablement, comme on dit hier, Quantum Break. Scalebound, puis voyons l'autre méchant, Crackdown. C'est ça. Que ça reste. Record, c'était hot tantôt. Record aussi, le jeu dans le désert. Nouvelle licence en plus. J'ai dit, Colin, amenez-en du nouveau stock. On en veut justement. Puis, elle a des exclus annoncés comme Forza 6, pas nouveau, mais c'était le fun de le voir. Hein. C'était beau en tabarouette. Oui, c'est vrai que les Sambo avec des éléments météo, c'est ça, qui sont là cette fois-là. Enfin, j'ai bien hâte de voir. Moi, je le trouvais beaucoup plus beau que le précédent. Forza, ça demeure Forza. Ça va en prendre pour nous impressionner parce que, oui, c'est toujours des belles autos bien représentées, mais c'est à peu près toujours les mêmes pistes dans le même cadre. Là. Fait que moi, j'ai toujours un peu, tu sais, avec des Assetto Corsa qui s'en viennent sur console, on est un peu en droit de s'attendre à quelque chose à ce niveau-là. Reste à voir si Sony va répliquer avec un Gran Turismo. Exact. Steve et René, si vous avez un petit mot de la fin, c'est l'occasion. Sinon, on va conclure cette vidéo spéciale E3 Microsoft, donc présentation de Microsoft à l'E3 2015. Je voulais juste dire qu'à la conférence, m'a vraiment conquis, m'a satisfait. J'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment une bonne conférence de Microsoft. Ils ont sorti très fort. Donc là, j'ai hâte de voir. Tu sais, on allait oublier Dark Souls 3, entre autres. Je pensais qu'il serait présenté à la conférence de Sony. Là, ils nous montrent ça. Chez Microsoft. Il va-tu avoir un exclu de temps là-dessus, quelque chose, on ne sait pas encore. Mais il est vraiment une méchante belle conférence. Même chose, René? Ça, j'ai trouvé rempli plein de choses. Puis, tu sais, on avait peur que ça soit comme pas intéressant ou on se demandait comment qu'elle allait faire. Puis, finalement, ils vont faire une bonne conférence avec, mettons, Rare aussi en avant-plan, avec tous les jeux, la collection. Fait que ça va. Puis, leur nouveau projet, Sea of Thieves. Fait que j'ai hâte de voir. Et les jeux indépendants aussi. Ouais. Ils nous ont convaincus qu'il y avait même eux autres avaient l'air intéressants. C'est ça. Puis, un petit 6 mots rapides qui ont été faits sur Fable et cette interaction Windows 10. Puis, je suis content, il n'y en a pas trop parlé parce que je voulais pas qu'il occupe trop de temps avec ça. Bref, une belle conférence, bien tassée, bien serrée, puis un Phil Spencer en grande forme, naturel encore une fois. Donc, je pense que Microsoft a trouvé son bon porte-parole pour les représenter. Steve Tremblay, René Cadieu, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette conférence de presse avec moi, cette conférence de Microsoft. On va suivre les autres et on va se permettre de faire encore quelques vidéos commentées dans lesquelles on va décrire comment on a vécu ces conférences-là. Parfait.